Je me balade de partout. J'arrête tout. Aujourd'hui, notre designer Anthony Priolo va nous designer quelque chose de juste incroyable. Ça n'a jamais été réalisé encore. Aujourd'hui, il va nous réaliser... une cabane. Ouais. Aujourd'hui, en 24 heures, je vais fabriquer une cabane et dormir dedans. Vous avez bien entendu, ouais. Je vais essayer, ok? Faut vraiment que le confinement s'arrête parce que les gars, sinon je vais avoir des idées qui vont pas s'arrêter. Sinon, je vais finir par fabriquer une bombe. Et c'est pas une blague, j'y ai déjà réfléchi. Ok, donc comme vous savez, j'aime bien me faire chier un peu, faire des trucs un peu plus compliqués que des trucs simples. Donc la cabane, ça va pas être une cabane au sol, ça va être une cabane suspendue, ok? On va essayer, ok? Donc en gros, je vais la faire ici, dans ma barre de traction, en fait, au milieu. Il va être de là à là-haut, ok? Je vois plein de tôles d'araignées, donc ça m'inquiète parce que vous savez, j'ai la phobie contre les araignées. Là, je commence à me dire que ça va être très chaud pour moi. Mais c'est pas grave, si je vois une araignée, par contre, cette nuit, les gars, je vous dis, je me barre de la cabane, je suis désolé. J'ai aussi très peur, et un truc que j'y ai pensé ce matin quand même, c'est que si la cabane s'écroule en pleine nuit, mauvais bail. Enfin bref, on verra. Faut croire à la cabane, ok? Bon, du coup, il est actuellement 13h40, ok? La cabane, on va l'appeler. Oui, il faut lui donner un petit nom, la cabane. Bah, tiens, on va l'appeler Work Home. Comme mon programme, parce que Work Home, bah, c'est la work et c'est dans une maison, quoi. Vous avez compris, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense. Et si jamais vous aimez les vidéos sur les 24h challenge, par exemple, quand je construis une rampe de skate, quand je construis. cabane. Dites-les-moi en commentaire, dites-moi un sujet sur 24 heures, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux faire. Et le commentaire le plus liké, ça sera la prochaine vidéo. C'est promis, voilà. C'est parti, je vous fais confiance, faites pas n'importe quoi, ok? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à accueillir les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, donc ceux qui regardent cette vidéo sans me connaître. Je m'appelle Anthony, je fais des vidéos sur le divertissement et le sport. Je fais des saltos arrière un peu partout. Je fais des Yes Man Challenge avec mes sœurs, je construis des trucs sur 24 heures, voilà. Donc en fait, sur la chaîne, c'est vraiment, on est là pour s'amuser, ok, c'est le principal. Donc voilà, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et mettre la petite cloche de notification, super important, comme ça quand je suis en live ou quand je sors une vidéo, tu seras notifié avant tout le monde. Donc je te laisse le faire, c'est parti. Bon, du coup, par rapport au plan de la cabane, hier j'ai fait les plans sur ordinateur en 3D avec mon logiciel Supersonic, et du coup après j'ai imprimé avec mon imprimante 3D du coup la maquette de la cabane finie. Donc je vous la montre. Pas du tout les gars, vous savez très bien que je fais tout à l'arrache. Imprimante 3D. Bref, j'aurais ça, je ferais des dingueries. Bref, les gars, c'est parti, place à la cabane. On va commencer à... c'est parti, les gars. Aujourd'hui, j'ai voulu fabriquer une cabane. Hey! Bon, je viens de récupérer les outils. Et c'est parti. Alors, je vous explique du coup, je vais faire un petit plan tout de suite pour élaborer ma petite cabane. Voilà, du coup, mon petit plan. Du coup, j'ai envie de faire... Du coup, ça va être la cabane. Donc là, il y a les barres de traction, elle va être en hauteur. Donc là, il y aura une petite porte, bien sûr, et les gars, on soigne le travail. Ici, on va faire une petite vitre, très important aussi, une petite vitre. Et puis voilà, je me suis pris très tard pour faire ça, donc faut que je finisse avant la tombée de la nuit. On va mettre ces planches, du coup, qui vont être ici, regardez. Tac, 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 tac. Un comme ça. Un ici. Un comme ça. Un autre comme ça. Et puis, bien sûr, on va en mettre un qui va être au milieu. Parce que sinon j'ai pas envie de tomber. Milou, sors de ma vue. Mais je rigole, petit bébé, viens là. Viens te présenter à la caméra. Viens, présente le petit Milou. Vous l'avez déjà vu de toute façon. Bah alors, t'es pas à l'aise devant la caméra? T'as pas l'habitude? Tu te casses la gueule? Hein? Ça que tu veux? Hein? Poil, j'en ai marre, c'est chiant, ils me mettent plein de poils partout. Sortez de là, c'est pas simple de travail ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux bricoler à ma place? C'est ça que tu veux? Allez, c'est parti. On va commencer à prendre les mesures et commencer à. Étape numéro 1. Couper quoi. Oh, mais c'est génial. Je suis content pour si peu. Je me rends compte que le mètre était aimanté. Du coup, bah, j'ai pas besoin de le tenir en bas. Pff, oh, ta gueule. Ah bah non, mais il y en a même. Qu'est-ce que je raconte? Hey. Oh. Hey. 157 centimètres. La taille de ma... Oh là 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 là, je viens de me rendre compte que j'étais un énorme beauf. Mais personne me l'a dit avant, putain. Hey. Ok, alors c'est parti, on va commencer à couper ça. Laquelle est morte, laquelle est pas morte? Je crois avoir trouvé tout seul. Chez. Ok, on a dit combien? Oh non, 157. Combien? Vous savez, vous avez entendu, mais combien? La flemme d'aller mesurer. Vous savez quoi? Dans la vie, soyez sûr de vous. Vous allez voir, ça va changer votre vie. S'il te plaît. Fais un effort. Ciao. Wouah, vous en avez plein sur la gueule. Ben alors, fallait me le dire. Je respectais vraiment pas. Je prends pas soin de vous. Alors qu'à la fin de mes vidéos, je dis prenez soin de vous.
après des mois et des mois de travail, est-ce que le jeune homme a réussi à réaliser l'impossible? Ouais. Là, je suis en train d'hésiter à soit le mettre comme ça, ou alors comme ça. Et il tiendra beaucoup mieux. Vous avez la réponse. Mais waouh! Et je veux carrément, tellement qu'elle soit bien, la garder un petit moment, genre, et pas la détruire demain parce que j'ai fait de la merde et que ça prend de la place et que je peux plus faire de traction. Ah, mais ça va encore mettre de la poussière sur vous. Ça fait chier, ça. J'en ai rien à foutre. Bah, regarde. Tu viens de faire une connerie déjà. Je sais pas vous, mais quand je mets un masque comme ça, j'ai l'impression d'être un médecin. Oui, bonjour. Bonjour, Ray. Oui. Alors, vous allez tousser 2-3 coups, et pendant que je vais mettre mon doigt, vous allez me dire ce que oh vous sentez. Oh là là, t'es pas marrant, t'es un gros beau. Tu comprends pas quoi, ça là, fais ta cabane. Tu fais quoi là? Ma cabane. Je la fais là? Ouais, je fais ma cabane. Là, là. Ouais, c'est parti, on va commencer à visser. Étape numéro 2. Visser, quoi. Ok, un petit test s'impose du coup pour savoir si tout ça, ça va bien, hein. Parce que j'ai pas une cette nuit de tomber. Donc si ça, ça tient, en sachant que j'ai pris des petites vis parce que j'avais la flemme d'aller chercher des plus grosses vis, ok. Donc si ça, ça tient, on est bien. Allez, allez, c'est parti, c'est parti. C'est carré, on peut faire des trucs. C'est parti. Voilà, du coup on a les deux, on est plutôt bien. Un jour un vieux pote m'a dit, même quand ça rentre pas, ça finit toujours par rentrer. Ah ah ah. Oh. J'avais ça dans le doigt. Wesh, ça m'a tué le doigt. Un pote qui me dit qu'il va aménager avec sa meuf chez lui. Ça me fait peur. Je commence à me dire, je commence à vieillir là, les gars. On a qui signent des appartements pour acheter des appartements avec leur copine, pendant que d'autres font des cabanes. Moyen, moyen. Franchement, ça a l'air solide, je l'espère en tout cas de tout cœur. On va aller chercher la surface qu'on va devoir mettre ici, dessus là. Là, ça commence à bien avancer là, c'est cool. Je suis content. Étape numéro 3, créer une surface pour se mettre. Donc, comment vous dire que j'ai pas beaucoup de bois, j'ai trouvé que ça pour l'instant pour mettre dessus. Hop 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 hop. Je disais, pour se mettre bien. Là tu peux relancer la vidéo. Non mais attends. Donc je sais même pas comment je vais mettre pour mettre sur les côtes. Là vraiment sincèrement je suis je me fais mal. Je suis un peu en mode saoulé. Parce que du coup je crois que j'aurais vraiment pas assez de bois les gars. Donc écoutez, je vais réfléchir, je vais voir, mais j'ai vraiment envie de la faire cette cabane en plus. Et j'aurais fait tout ça pour rien quoi, c'est horrible. Donc écoutez, je vais me démerder. Avec ce que j'ai. Au pire si c'est du carton autour, ce sera du carton autour. Donc pour l'instant avec les trois planches j'ai réussi à faire le bas, ok. Si elle a la super bonne place, ça faut la recouper, elle est trop longue. Et celle-là on va la couper en deux pour pouvoir faire cette partie-là. Et on sera bon, on aura le sol de notre cabane. Étape numéro 4, créer une fenêtre avec une porte. Bon, en fait ça sert à rien, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je pense que la fenêtre je vais la mettre au niveau de là. Oh non, je l'ai cassé. Eh, vous voyez plus, vous voyez ou pas? La vitre, matériau plus ou moins transparent. Anthony, il a 21 ans, il adore l'odeur de ses chaussures, et en plus de ça, il est sorti avec un membre de sa famille. Donc j'enlève tout pour pouvoir mettre ça là-dessus, pour pouvoir faire la cabane, et après, du coup, ça va être carré, les gars. Oh, ça va être énervé, je le sens bien, là. Ok, là, on va mettre un système pour pouvoir mettre une porte. Donc la porte, c'est celle-ci. Oh là là. Bon, je vais vous passer les détails de la porte de la fenêtre parce que c'était une vraie galère. Ouais, comme t'as pu le voir là tout de suite, c'était du n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai voulu bien la reformuler et bien la faire harmonieuse pour qu'elle soit vraiment agréable. J'arrête tout. Plusieurs temps après mon petit rage kit. Au final, là ça y est, j'ai mis le toit. Maintenant il manque plus du coup qu'à mettre le tour. Vous avez vu, j'ai défoncé ça, la fenêtre ça m'a saoulé, elle avait bugué. Étape numéro 5, recouvrir la cabane. Ouais, avec ce que j'ai hein. A la base, comme j'ai dit, je devais mettre des trucs en bois et tout le côté. Je sais, je vous vois dans les commentaires. Je fais avec une cabane avec oui. Oui, je sais oui. Ça va être une cabane. Une fausse cabane en gros. Putain. Mais attends, ça va être trop court là, non? Ouais, dans la merde, mec. Aujourd'hui, j'ai voulu fabriquer une cabane. Mais oui,
quelle bonne idée, ça change du yes man. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi d'arrêter de faire ce genre de conneries. Prendre deux skates, bateau, et pour finir une cabane. Qu'est-ce que je vais vous sortir après? Abonne-toi, lâche un like. Merci. Aïe! Franchement, pour l'instant, c'est pas si mal. Yeah, je me vois déjà dedans là. Miniature? Pas du tout, la miniature elle va être énorme. Ok, ça y est. J'ai le deuxième drap blanc. Et là, je suis déçu d'avoir mis ça. Dites-moi si vous pensez que c'est mieux comme ça. Ou en vrai, ça fait un petit aspect plus été. Genre vacances et tout, je trouve. Ouais, je me trouve des excuses pour que vous aimiez ma cabane. Allez, je vais lancer ça et quand je vais le lancer, il sera mis. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ah bon, vous, il y a ça normalement. Oh! Bon, écoutez, je fais la petite déco. Je vous montre pas pour l'instant ce que j'ai fait. Je vais faire un peu de déco et après, on se retrouve pour vous montrer mon setup de cabane. La cabane toute terminée, toute bien, toute propre. Allez, à tout à l'heure, c'est parti, let's go! Étape numéro 6, la décoration. Et oui, monsieur décor. Ok, bon, juste avant de faire la déco à l'intérieur, je vais vous montrer, j'ai commencé, mais je vous montrerai vraiment tout à la fin. Je vais d'abord faire un truc important. Petit logo quand même pour bien montrer que c'est la cabane. Work body. Yeah. Ça, premièrement, déjà c'est carré. Ensuite, deuxièmement, ouais, viens avec moi, tu vois. Ça. Parce que je veux aucune araignée cette nuit, ou aucun insecte. Ok? Donc, ça, je vais le prendre. Ça, tu vois. Partout en dessous là. Hop, comme ça je suis sûr de pas avoir bête cette nuit là. Bon, est-ce que je suis paniqué? Oui. Est-ce que j'ai peur d'avoir une araignée en me levant sur la tête? Oui. Je crois que t'en mets un peu trop là, Anthony. Fais gaffe, c'est toxique, ça c'est inflammable. Non, mais j'ai pas d'instinct. Une demain tu te lèves et tu vas me montrer qu'il est en feu, genre. Non, moi c'est pas ça que j'ai peur. C'est quoi? C'est que bah tu. Que tu te couches et que le truc il finisse par terre quoi. Que non, tu... impossible, vraiment. Pourquoi impossible? J'ai vraiment mis des... Tu peux leur demander, ils ont tout vu dans la vidéo, j'ai galéré. D'accord. Et le truc, j'ai fait des tests comme ça et tout, genre des trucs de dalle. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, attends. J'ai même fait un salto dedans pour te dire. Hein? Mais jamais de la vie. Ah. Tu vas crever si tu mets ça à l'intérieur. Attends, on fait combien de secondes? Une. Bon, ok. Bon, bah sinon, elle est pas mal cette petite cabane. Miniature. Voilà, miniature. C'est légèrement beau. Toujours avant de faire un salto arrière, faut faire ça, regardez ma démarche. Vraiment, c'est la démarche, c'est le plus important, la salto arrière, regardez bien. Ok. T'as vu la gueule, comment j'étais trop nerveux. Bon allez, c'est parti, dès que je vais faire, vous allez revoir après tout le setup à l'intérieur et tout. Ta gueule, vas-y. Allez. Tout était... Hey! Bon, 22h, 23h là, ok. Donc là, ça y est, je suis dans la petite cabane. La nuit va être longue. Et j'ai peur des araignées, j'ai peur qu'une aille. Toujours accompagné du frérot Baptiste là, en plein live. Et moi. Bon, encore un petit live avec le frérot, il m'accompagne pour la nuit. Yo yo yo. Il a un petit coquard, il sait pas comment il l'a fait. Chaud les gars. C'est un tueur, oui. On va lui tenir compagnie toute la nuit parce que sinon on est skin pour lui, tu connais. Et salut à tous, c'est JC Prod pour une nouvelle vidéo. C'est l'instru du frérot. Je l'ai pris parce qu'elle est énervée cette instru, c'est un truc de ouf. Elle est trop bien, wesh. Là tu fermes les yeux, t'es en vacances d'été. Sauf que je suis dans ma cabane. 2h52. Et je suis toujours dans la cabane, je suis en train de faire plein de lives avec des gens, avec mes potes et tout, c'était cool, j'adore faire des lives, parler avec vous. C'est trop bien. Petit message pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Merci énormément, ça me fait trop plaisir. C'est vraiment loin de se finir, croyez-moi, c'est... jamais de la vie, je vous kiffe trop. On est une famille maintenant. Bon allez, bisous la team, je vous reprends après peut-être avant de dormir. Mais bref, à tout à l'heure, bisous. Yes. Donc là, la nouvelle vidéo de Squeezie. Et après, je vais aller me coucher, les gars, là, il est actuellement 4h57, 5h. Et je suis limite bien, en fait, dans la cabane. J'ai limite pas envie de l'enlever. Mais bon, je vais l'enlever parce que je préfère faire des tractions plutôt qu'avoir une cabane. Voilà. Mais franchement, plus tard, je sais que j'aurai une cabane dans mon jardin, une cabane magnifique, mais bien isolée pour qu'il n'y a pas d'araignée. Bref, à demain, la team. Gros bisous. Ciao. Étape numéro 1. Dernière étape, dormir dedans. Vous allez quand même me manquer. Wow. Attendez, laissez-moi me réveiller jour après. Bon allez. Il est actuellement 13h07 et je vais sortir de la cabane. Let's go.
J'ai clairement mal de partout. J'ai mal de partout. Faut enlever toutes les agrafes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Et mettez-moi un petit commentaire, un petit défi que je pourrais faire sur 24h. Et le plus liké, je le ferai, n'oubliez pas. Et surtout, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, dès que je fais un live. Super important ça. Bref voilà, merci à vous. Et puis là je vais aller me doucher, et puis j'ai mal au dos, j'ai mal de partout. Merci encore pour cette aventure. Bisous la team. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.